Salut à tous! Aujourd'hui, je reviens avec la présentation de mon junk journal. Voilà, dans ma précédente vidéo, je vous demandais si ça vous intéressait de le voir. Donc, le voici, le voilà, je vais vous le présenter. Alors, à l'intérieur, il y a plus ou moins 4 pages de fêtes. Mais voilà, le reste, ce n'est que des. Que un ensemble de papiers que j'ai accordés ensemble et que je travaillerai seulement par la suite. Donc le junk journal, c'est ça, hein, c'est beaucoup de récupération et compagnie. Là-dedans, ben, il y a des cartes de Project Life, des chutes de papier que j'ai repris, de nouvelles feuilles aussi, parce qu'il y a certaines feuilles que je voulais, enfin, certaines pages plutôt que je voulais retrouver dans ce junk journal. Enfin voilà, donc le junk journal, ça permet de mettre même de la récup, des chutes et tout ça. Enfin, franchement, si vous voulez... Utilisez vos collections bien entamées, ben, c'est vraiment une bonne alternative, le junk journal. Donc ici, je vais vous le présenter tout simplement. Avant de vous le présenter, je tenais à vous prévenir donc que sur ma chaîne, il n'y a plus d'horaire à proprement parler. C'est-à-dire que donc avant, je faisais une vidéo tous les vendredis à 6h30. J'ai décidé de ne plus me mettre d'horaire jour. Donc voilà, quand j'ai une vidéo, je la mets en ligne tout simplement. Ce qui ne change pas, c'est l'heure, 6h30. Donc quand j'ai une vidéo, je la mets un jour à 6h30. Je vous préviens sur Instagram et sur YouTube. Au pire, quand je fais une vidéo comme ça, ben, je vous préviens. Donc, en commençant là, par exemple, ma vidéo, je vous dis que ma précédente vidéo, c'était Chikuchak. Et donc, voilà, je commencerai mes vidéos comme ça. Mais voilà, comme ça, je vous ai dit hein, que je revenais sans me mettre de pression. Et je me suis rendu compte que laisser un horaire, ça mettait en quelque sorte de la pression. Voilà, donc, voilà, no stress. On est là pour s'amuser, donc plus d'horaire. Je mets une vidéo quand j'en ai une. Ça se peut, il y a des semaines où vous n'aurez pas de vidéo. Ça se peut, il y aura des semaines où vous aurez une vidéo. Ça se peut, vous en aurez trois. Enfin, voilà, ça, je ne sais pas dire à l'avance. Voilà, tout simplement. Si vous voulez vraiment être tenu au courant des publications sur ma chaîne, n'hésitez pas à activer la petite cloche quand vous vous abonnez. Ou alors suivez-moi peut-être sur Instagram. Là sur Instagram, je vous préviens quand je publie une vidéo. Donc bref, je vais passer donc à la présentation de mon junk journal. Alors comme je vous disais précédemment, c'est toutes des chutes et également des nouveaux papiers. Ça c'est comme vous voulez. Mais franchement, le junk, comme je le disais juste avant, c'est vraiment super pour pouvoir utiliser ces fins de collection ou les chutes de papier. Bref, donc voici la bête. Alors, beaucoup de personnes, parce que j'ai regardé quand même pas mal de vidéos, relient leur junk journal à la couture en général. Là, moi, j'ai voulu faire avec des ados pour rester libre de ce que je veux rajouter. Voilà, j'aime bien être libre de mes créations et pas être trop cadré dans un truc, donc j'ai préféré vraiment utiliser des anneaux, surtout que je ne suis pas vraiment encore à l'aise avec le format junk journal. Je me suis dit, vaut mieux que je sois à l'aise. Ça se peut que le prochain junk journal, je le ferai en couture, mais pour l'instant, c'est ce qui me convient. Donc ça, c'est des anneaux qu'on trouve pour les planeurs et compagnie, hein, donc dans toutes les boutiques en général. Alors là, je vais tourner tout simplement les pages. Vous allez voir à l'intérieur qu'il y a 4 pages de fête, 2 que vous avez déjà vues et 2 autres que vous n'avez pas encore vues. Bref, j'y vais. Alors ça, donc c'était de chutes de papier. Ça, c'est des cartes de Project Life. Vous voyez, j'ai fait directement les trous. Alors vous voyez, je suis partie donc sur une base. Donc la base, c'est ça. Je ne sais plus combien ça fait exactement. Si ça peut vous intéresser, je vais enfin, vite mesurer. C'est 14 environ sur 18,5. Voilà, donc je suis partie sur une base de 14 sur 18,5. Et par après, ben voilà, je mets n'importe quel autre format. C'est vraiment le fouillis total. Mais j'adore. Alors, ici, j'ai mis une toute petite carte. C'était une chute de papier que j'ai pliée en deux comme ceci pour faire un petit livret. Carte de Project Life comme ceci.
Enfin voilà, je vous tourne les pages et vous voyez. Ça, c'est une carte de Project Life que je n'ai jamais utilisée. Ça fait des années que j'ai des cartes comme ceci que je n'ai jamais utilisées. Je me suis dit, ben, pourquoi pas les mettre dans mon junk journal? C'est l'occasion de les utiliser enfin. Ça fait partie d'un bloc de chez Action. Ça, par contre, ça fait partie d'une nouvelle feuille que je n'avais pas utilisée. Voilà. Ceci. Ça fait partie d'un agenda que je n'ai jamais utilisé. J'ai coupé quelques pages et je les ai incorporées dedans. Je me suis dit pourquoi pas. Ici, une page comme ceci, ça vient de chez Action. J'ai plié. J'adore vraiment cette collection-là. Ça fait vintage, mais vintage moderne, comme je vous ai parlé l'autre jour. Voilà, ça fait partie d'un nouveau bloc. C'était une nouvelle feuille. Vous voyez, je mets même des feuilles de bloc comme ceci. Alors là, on arrive sur une de mes premières réalisations. Voilà, c'est au comptoir de Mathilde. J'avais fait quelques achats. J'ai mis le ticket de caisse derrière. J'ai mis une trombone. Et j'ai fait un petit montage ici. Voilà, c'est vraiment des choses. On ne se prend pas la tête hein, dans un junk journal. C'est comme ça m'est venu. J'ai collé, j'ai écrit. Et puis voilà. Et ça m'a pris. Je crois que l'autre jour, j'ai fait 2 pages en même pas un quart d'heure. Donc voilà. J'ai mis une petite photo épinglée comme ça. Et voilà. Alors, quand je décide de faire une page, donc en fait, là-dedans, je vais mettre mes anciennes photos ou alors les photos que je n'ai pas vraiment la place d'incorporer dans mon journal. Je vais les mettre là-dedans. Alors, j'ai une photo. Bon, imaginons que ça, c'est une photo. C'est ce que j'ai sous la main. J'ai une photo et donc, je parcours mon junk journal pour voir avec la photo ce qui irait bien. Et je travaille par rapport à la photo et la page qui irait bien. Je ne fais pas dans l'ordre. Voilà. Ce sera vraiment tout fouillis. Mais j'aime bien. Voilà. Donc je continue à tourner les pages. Ici, c'est une petite carte de Project Life. Encore. Parce que ça aussi, hein, les cartes de Project Life, je ne les utilise plus vraiment. Donc c'est pas plus mal de les incorporer là-dedans. Encore une carte de Project Life transparente. Vous voyez, il y a certaines pages que je remets en plusieurs fois, comme vous pouvez le voir. Je mets des pages vierges, totalement vierges. Comme ça me laissera la possibilité de créer plus. Voilà, il y a quand même pas mal de cartes de Project Life, vous pouvez le voir. Hop, encore avec une petite pliure. Encore de la récup d'agenda. Hop là. Celle-là, je l'ai incorporée quand même pas mal de fois. J'aime vraiment bien. Hop. Ça, c'était une chute aussi. J'ai mis du napperon aussi. Vous voyez, l'ensemble, ça donne bien pour les deux. Voilà. Encore une carte de Project Life. Alors là, encore une créa que j'ai attachée ici avec une épingle comme ceci. Alors c'est une photo de mes grands-parents paternels. Voilà, une vieille photo. Franchement, j'ai collé comme ça me venait dans l'idée. Donc là, j'ai fait la photo et derrière, j'ai fait plus du journaling comme ceci. Voilà, c'est très fouillis, c'est très... Mais moi, j'adore. Il faut aimer, hein, le junk journal, c'est vraiment très... C'est très, très, très fouillis. Mais voilà. Et là, j'ai attaché. En plus de ça, mais ça fait... Vous voyez, là, il y a un petit pompon. C'est quelque chose que vous m'avez envoyé. Je ne sais plus qui exactement. Mais enfin, voilà. Donc, j'utilise ce que vous m'envoyez aussi. Et quand le junk journal est fermé, ben voilà. Il y a le petit pompon qui dépasse. À mon avis, je vais faire ça à plusieurs endroits. Comme ça, il y aura plein de trucs qui dépasseront de mon junk journal. Ce sera beau. Enfin, j'espère. Donc, je continue. J'ai même mis des pages de magazines comme ceci. Voilà, j'ai essayé de plus ou moins
accorder quand même les pages, hein. Donc j'ai regardé à mettre à la suite l'une de l'autre des pages qui iraient bien ensemble malgré tout. Ça aussi, c'est une collection que j'avais achetée il y a un petit moment et que je n'ai jamais utilisée. Du coup, je me suis dit, ben, je vais mettre ça là-dedans. Purée, celle-là, je l'ai quand même eu beaucoup, hein. Je m'en rends compte maintenant que je le feuillete avec vous. Hop. Alors, j'ai aussi incorporé une ancienne page. Donc, celle-ci. J'avais commencé un livret genre junk journal, mais pas vraiment. Donc, je l'ai incorporé à l'intérieur. Je me suis dit pourquoi pas. Je ne savais pas où la mettre, donc je l'ai remise là-dedans. Voilà, encore une page de magazine. J'aime vraiment beaucoup cette page-là de chez Action. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, il faut encore que je fasse les couvertures, mais ça, je les ferai par la suite. Je verrai. Je verrai. Je la ferai, enfin, je le ferai peut-être avec vous, je ne sais pas, on verra. Alors, si ça vous intéresse, je peux faire des pages de Junk Journal en process avec vous. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Donc, voilà, on arrive presque à la fin. Et voyez, le fait qu'il y ait des anneaux, ben, imaginons que je sois sur cette page-là. Si je veux incorporer quelque chose encore en plus, ben, je peux, sans souci. Donc, j'ai la perfo aussi hein, pour faire les trous adaptés à ça. Encore une carte de Project Life. Ne jamais oublier que le bonheur est à portée de main. Et donc, une page que j'avais fait il n'y a pas si longtemps que ça, de Anthony en Iti téléphone maison. Et donc, voilà pour ce qui est de mon junk journal. Franchement, c'est tout facile à faire. Et quand je vous disais, hein, quand je veux décider, enfin, quand je me décide à faire une page, ben, ça va super vite parce que c'est du collage et j'y vais sans me prendre la tête. Franchement, je ne réfléchis pas du tout quand je fais ça. Alors, tant que je vous ai, je vais vous montrer. Donc, l'autre jour, j'ai fait ma vidéo et je vous, enfin, dans la vidéo, on voyait que je déroulais ma trousse ici. Voilà. Alors ça vient de chez AliExpress. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Franchement, quand j'ai vu qu'il y avait ça, je me suis dit, ah, il me le faut. Franchement, c'est super utile et je ne le regrette pas du tout. Je crois que ça m'a coûté 7 euros, quelque chose comme ça. Il y a, si vous êtes forte en couture, vous savez le faire vous aussi, hein. Un gros élastique que vous cousez comme ceci pour avoir tous des petits ourlets pour mettre vos crayons. Moi, je ne suis pas couturière, donc je l'ai acheté. Mais franchement, je suis bien contente. Alors, il y a des petits de genre une vingtaine, qu'on sait mettre une vingtaine de crayons. Il y en a, c'est 37. Ah, ma chèvre qui pleure pour rentrer. Alors, elle est derrière, mais elle sait sauter. Elle saute le mur dans le passage latéral et elle revient devant et elle se met à la porte pour qu'on lui ouvre. Et à chaque fois, elle fait ça. Soit, bref, pardon. Donc, il y en a, celui-là, je crois que c'est 37, et il y en a 50 et des crayons. Donc, voilà. Et on le roule comme ceci. Voilà. Hop. À chaque fois, je bug pour la fermeture, ça va aller. Et donc, on fait un petit nœud comme ceci. Tout simplement. Et moi, je l'entrepose comme ceci sur mon bureau. Vous pouvez le mettre couché, c'est comme vous voulez. Franchement, je ne regrette pas du tout d'avoir acheté ceci. Voilà, je suis de retour. Je ne sais plus ce que je disais. J'ai remis la chèvre derrière. Mais voilà, donc j'espère que mon junk journal vous plaît, que vous êtes content que je vous l'ai présenté. Moi, ça me fait plaisir hein, de vous présenter ce que je fais. Alors, attendez. Je remets ma petite épingle hein, quand même. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram pour être au courant des publications de mes vidéos. Au pire, de toute façon, je vous tiens au courant ici même des publications que je veux qu'il y a précédemment et compagnie. Donc la fois passée, j'ai fait une créa donc,
dans mon journal, donc avec du matériel action. Donc je vous invite à aller la voir. Vous voyez, il prend encore de l'ampleur. J'ai fait plusieurs pages hors caméra. Alors, à mon avis, comme il y a quand même pas mal de pages que je fais hors caméra, quand j'ai fini un mois, je vais vous montrer le mois complet en vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse également en commentaire. Alors, cette fois-ci, je ne l'oublie pas, pardon. Je vais remplir ma petite enveloppe. Je prends ce que j'ai sous la main. Je vais mettre ça. Ça. J'ai pris ça tout à l'heure en main. Et je vais vous mettre ceci. Voilà, donc le principe de l'enveloppe a été expliqué dans ma précédente vidéo. Vous le savez. Voilà, donc je vous fais de gros gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Salut!